Angelo a 31 ans. Il aime les vieilles voitures anglaises, la paella et son métier. Angelo est contrôleur technique. Je contrôle les éléments de sécurité des véhicules selon la réglementation en vigueur. Pour cela, je dispose d'outils diagnostiques pour le freinage, l'état des pneumatiques et les normes de pollution. J'établis par la suite un bilan pour le propriétaire. Angelo est agréé par la préfecture, donc intègre, il connaît bien les voitures et il est précis. Les gens nous prennent pour la police du garage, mais en réalité, nous sommes les médecins de l'automobile. Ouvrez grand, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est la santé de la voiture. Et il faut pas la prendre à la légère. J'ai toujours été fan de voiture, et vivre au milieu d'elle est un métier qui me va bien. Angelo a passé un bac pro et suivi une formation obligatoire pour devenir contrôleur technique. L'alternance mène aussi à ce métier, où 800 postes sont à pourvoir chaque année pour une moyenne de 1600 euros par mois. D'ailleurs, des offres sont disponibles sur beautravail.org. Maintenant, l'attention. C'était Beau Travail avec le MEDEF.